eternally. You can't dissipate a blanket. This is either going down. Better days. Hey, better days. Got me thinking about better days. Better days, better days, better days. Hello, what's up? This is Tabou. So, ouais, moi, je vais répondre à une vidéo de Monsieur Gabriel Roy, a.k.a. Monsieur Mon Point de Vue, qui a eu des commentaires pour la FIFA World Cup, puis le soccer en général. C'est plate. C'est vraiment plate. OK, il y a des milliards de personnes qui trippent dans le monde, mais c'est parce qu'ils n'ont rien vu d'autre, faut croire. Des fois, tu regardes 90 minutes de jeu, puis tu vois pas un crisse de but. Mais là, un ou deux conseils si la FIFA veut genre passer en Amérique du Nord. Premièrement, vos histoires de carton jaune, carton rouge, lâchez ça. Ça me rappelle ma deuxième année où est-ce que quand je faisais un mauvais coup, je me ramassais avec un bonhomme triste dans mon cahier de bord. C'est à cause de comportements comme celui-là que le soccer a gagné la réputation d'être un sport de fif. OK, OK, OK. À ce que je sache dans le hockey, là, t'as pas des matchs qui c'est 36-24, là. C'est autant de points que dans le soccer, là. Parce que là, en ce moment, les matchs sont un petit peu lents, là. T'as des 1-1, 1-0, 2-1, mais là, comme dans le hockey, t'as des matchs, des fois, où t'as juste un but. Ça arrive. Puis j'aimerais aussi répondre aux gens qui disent comme ça, ah, puis le soccer, c'est laid, parce que dans le soccer, là, t'entends des buts tout le long du match, puis ça fucking gosse. OK, mais c'est parce que... Là, c'est parce que toi, tu viens d'écouter le soccer juste cette année, là. Parce que les bruits que t'entends, là, c'est pas dans le soccer, là. Ça, c'est juste en Afrique. C'est dans leur culture. T'es dans la FIFA, ça se passe en Afrique. Fait qu'ils ont dans leur culture, mais c'est comme ça. Ils font ce bruit-là. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que t'es un hostie de raciste. Ah ouais! Puis aussi, il a dit comme ça que le soccer, c'est un sport de fif. OK, c'est cool. Je vais vous montrer des vidéos, puis on va essayer de comparer le... soccer avec le hockey. Puis on va commencer par le soccer. Now me and you was real cool. Hell on them square fools. Since back in high school, we was true, me and you. All the part of them separated, we stayed faded. Affiliated with gangbangers, I still made it. Up in the gym, mess with me, gotta mess with him. Still dressing like grown men when rolling. Out in the dark, smoking Newport, gaming marks. Got a place in my heart, homie, stay smart. Locked you up in the pen and gave you. I send you letters with naked flicks of old friends. Hoping you well, I know it's hell. Doing time in the cells, you need man when you in jail. And me, I'm doing cool. I settled down, had a family. Working in night school. Every once in a while, I reminisce. Oh shit, ça se passe, man. Ça se passe, yo, c'est fraîche. Bon, on va checker le hockey. Better days. Got me thinking about better days. Intéressant. Là, le monde nous dit comme ça que oh, mais le soccer c'est plus populaire que le hockey parce que le hockey, le monde ne le connaît pas dans le monde, ils n'ont jamais vu de neige dans leur vie. Je pense que je parle de, pour le trois quarts de la planète quand je dis fuck l'hiver, fuck la neige, puis fuck tout ce qui est relié à l'hiver. Amine là, yo, l'hiver là, on s'en calisse là, en passant là. Comme yo, c'est cute pendant que quand c'est Noël, puis le jour de l'an, mais après ça, on s'en calisse de l'hiver. Je pense que vous êtes juste jaloux. Ouais. Vous êtes jaloux parce que le soccer c'est plus populaire que le hockey, puis que tu voyais que tout le monde là est en train de parler du soccer, puis le hockey c'est oublié. C'est normal, tu sais, c'est plate le soccer pour vous si vous n'avez pas d'équipe que vous supportez. Vous savez quoi? Vous devez supporter le Brésil. Je te jure, avec le Brésil là, vous allez être rarement déçus. Ça est différent de... Comment ça s'appelle encore? Les Canadiens? Puis pour les blessures, il dit comme ça que oh, dans le soccer, les gens ils tombent puis ils se blessent facilement, tandis que dans le hockey, check, le monde sont tough. C'est parce que dans le hockey, là, ils sont habillés comme des gladiateurs, ils ont une armure, des casques et tout. Puis dans le soccer, là, t'as pas tout ça là, en passant. Là. Fait que... Puis en plus, tu joues avec tes jambes, tu joues avec tes genoux, puis je te dis que ça prend pas grand-chose pour te péter le genou. Mais, par exemple, je vous le donne, les études de personnes qui crient au meurtre,
qu'ils se font toucher. Mais ça, c'est du fake. C'est du fake. C'est pour te donner une faute à l'autre équipe. Mais si dans le soccer, il y a quelque chose qui m'énerve, moi, je dis que c'est ça. Comme, est-ce que vous avez vu cette vidéo-là? Static, starting to be a fucking habit. Gotta keep my automatic or get my ass kicked when I'm trapped. Kind of rough and I drop a bucket, little thug life, make a screaming. Come on, man, on t'a même pas fucking touché, puis tu te jettes à terre. So, ouais, ça va être tout pour aujourd'hui. Puis yo, calmez-vous. Venez pas tous hit sur moi, parce que moi, vous voyez, je veux juste donner mon point de vue. Rolling in my niggas' glass, I'm driving fast, talking to bitches, whipping cash out. I'm with my niggas, fucking suckers. I'm bucking brothers, smoking chronic, motherfuckers, causing ruckus. It's the last of the drink, pull over. Can't hear damn thing sober. High till I die. Low till they smoke me to